Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Paluches et des Bouquins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Bachelin. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui Arnaud pour un nouvel ouvrage, enfin nouvel en tout cas qui a été réédité, L'heure de vérité, aux éditions de l'Épure. Donc on vous avait reçu la fois dernière pour un très beau livre que je vais présenter juste ici, Mrs. Beaton, aux éditions de l'Épure également. Et là, je vous reçois pour L'heure de vérité. Alors j'en profite, comme c'est bientôt Noël, pour inviter tous nos auditeurs à se procurer ce bel ouvrage de cuisine pour tous les passionnés, pour toutes les personnes qui aiment l'histoire de la cuisine, les belles recettes, les belles illustrations. Et aujourd'hui, L'heure de vérité, voilà, aux éditions de l'Épure, pour tous les amoureux de thé, mais pas que, ceux qui aiment aussi l'histoire, la géopolitique aussi du thé, etc. Voilà, donc Arnaud, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de votre ouvrage qu'on attendait, parce que c'est une réédition, hein, qu'on attendait avec impatience. Alors, je vais commencer par une première question pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas précisément l'univers du thé. Quels sont les principaux pays traditionnellement producteurs de thé aujourd'hui? Alors, traditionnellement, en fait, on a véritablement la Chine qui est en première position et qui va donner un peu, si je puis dire, le virus à tout le monde avec des connexions qui vont se faire avec le Japon et puis plus récemment encore avec l'Inde, puisque les Britanniques vont aller voler le secret du thé en Chine pour ensuite l'implanter dans les colonies indiennes. Mais la Chine restera quand même majoritairement le number one de la production de thé au monde. Et alors, j'ai vu dans votre ouvrage, en tout cas en parcourant également différents ouvrages sur la question du thé, qu'il existait peut-être maintenant de nouveaux jardins en Écosse. Oui, alors j'évoque effectivement dans l'heure de vérité l'aventure du thé écossais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Écossais, historiquement, ont toujours eu un lien assez fort avec le commerce, mais surtout avec le thé. Il y en a un très connu qui s'appelle Sir Thomas Lipton, qui est probablement l'Écossais du thé le plus connu au monde. Depuis une quinzaine d'années maintenant, on voit apparaître des plantations de thé avec un modèle économique assez intéressant en fait sur l'Écosse. L'idée n'est pas de devenir un gros producteur mondial, mais au contraire d'être sur une dimension plus locale et d'être un soutien économique à des lieux patrimoniaux qui accueillent du public et qui ont généralement des salons de thé. Et cet engouement pour la production hors Asie de thé, on la voit de plus en plus, y compris dans l'Hexagone, puisque on a maintenant des plantations qui se développent en Bretagne et en Normandie depuis quelques années. Je suis moi-même à la tête d'un projet en plein cœur du Morvan sur ce sujet. Et puis, on voit même des micro-plantations apparaître aux portes de Paris, au Bois de Boulogne. Donc, c'est Ah quelque oui. chose, on voit le thé qui commence à coloniser, on va dire, la terre entière. Absolument. Alors, en parcourant votre livre, j'avais bien compris et réalisé l'importance du thé dans la géopolitique globale. Mais disons, quelle est la place du thé précisément comparativement aux autres denrées? Je pense notamment au cacao, au café, au sucre. Aujourd'hui, quelle est sa place peut-être dans cet univers économique, peut-être politique, philosophique parfois? Dites-moi. Quelle est la place du thé dans nos Alors, je cultures? dirais qu'aujourd'hui, le thé, il a quand même perdu un peu de son rôle politique, du moins le rôle très important qu'il a pu avoir jusque dans les années 1750 et même plus tard, puisque on voit apparaître des phénomènes liés en fait à la consommation du thé jusque dans les années 60. Aujourd'hui, le thé a un rôle un peu timide d'un point de vue économique, mais il est toujours là. Là où avec le thé, le cacao, avec le café, pardon, et le cacao, on a des pics et on est vraiment en mode. Enfin, il y a une mode et puis la mode redisparaît et ainsi de suite. Le thé, c'est un peu plus, on va dire, latent et la consommation reste malgré tout assez discrète, mais toujours présente. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que la qualité du produit consommé s'améliore d'année en année. D'ailleurs, la France fait partie des pays qui consomment la plus belle qualité de thé en Europe. Ce qui va être intéressant avec le thé, c'est que historiquement, il a joué un gros rôle sociétal et politique. Il va permettre de mener des campagnes, je pense notamment en fait aux suffragettes qui vont
à un moment utiliser le produit pour pouvoir contourner la loi et lever des fonds. Et puis surtout, il va être aussi un déclencheur social, puisqu'il va déclencher notamment des conflits comme la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique ou les guerres de l'opium. Bien. Quelle est la place du thé précisément dans notre quotidien? C'est-à-dire à la fois quels ont été les premiers acteurs qui ont enfin, placé le thé, on parlait, enfin, en tout cas au XVIIIe siècle, on parlait de déjeuner, ensuite on est arrivé au petit déjeuner. Comment le thé a trouvé sa place dans notre quotidien? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un hôtel, enfin, la première question qu'on vous pose, c'est thé, café, chocolat. Mais quelle est donc sa place dans notre quotidien, je dirais à la fois culturellement, mais aussi quel a été l'impact précis de l'industrialisation de nos petits déjeuners? Parce que c'est vrai que le petit déjeuner s'est industrialisé. Et comment le thé a vécu finalement tous ces changements au fil des époques? Alors le thé, il a mis du temps à se faire une place dans nos sociétés malgré tout. D'abord, il était une boisson élitiste qui était réservée vraiment à l'élite, mais surtout aux lettrés, des gens comme Mazarin, Richelieu, voilà, parmi les plus prestigieux, on va dire, de nos compatriotes buveur de thé. Ce qui va être intéressant, c'est de se rendre compte que très vite, et notamment grâce à l'Angleterre, le thé va prendre sa place un peu dans toutes les classes sociales de la population. La première chose qu'il faut imaginer, c'est bah, véritablement le fait que en Angleterre, les populations, y compris les enfants, étaient des alcooliques jusqu'à très 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 tard. Et puis la reine Victoria va instaurer en fait la consommation du thé et l'imposer en fait aux enfants pour éviter qu'on leur donne de la bière au petit déjeuner. C'est un peu de cette façon-là qu'il va rentrer et venir comme une boisson de petit déjeuner. Faut imaginer que le thé va avoir détrôné en France une boisson assez consommée à l'époque, à savoir les infusions de sauge et notamment le roi Louis XIV en fait consommait de la sauge tous les matins au réveil pour des questions on va dire sanitaire, mais aussi de plaisir, c'était une boisson de plaisir. Le thé va ensuite prendre une autre place assez importante dans nos vies à partir du moment où on va inventer le goûter. Ça va être à peu près le même rôle d'ailleurs du café et du chocolat. Quant en Angleterre, là encore, on va inventer l'afternoon tea, donc le tea time véritablement, qui va se situer plus ou moins entre 16h30 et 17h30. Il faut imaginer que le thé va avoir toute sa place et va accompagner tout un tas d'autres produits, des pâtisseries, des sandwichs, et va donc se frayer un chemin dans notre quotidien. Et puis plus récemment, dans les années 60, à partir du moment où on va commencer à industrialiser bah, le petit déjeuner et aussi notre alimentation de façon plus globale, bah, le thé, lui, va être aussi industrialisé grâce à une invention qui est l'invention du sachet. Et le thé en sachet va permettre en fait que, bah, de voyager encore plus et de rentrer vraiment dans toutes les maisons aux quatre coins du monde. Cette invention qui est une invention américaine et qui va venir jusqu'à nous et puis qui va être redynamisée, on va dire, dans les années 90 avec l'invention de la maison Tetley qui va inventer le sachet que l'on tire de ficelle et sort notre thé. Voilà un peu pour illustrer comment le thé va prendre sa place dans notre quotidien. Il continue aussi de prendre une place un peu différente depuis les années 2000, avec notamment une population et des consommateurs qui sont de plus en plus jeunes. Et bah, il faut imaginer que bah, ces consommateurs vont aussi inventer de nouveaux rituels et le boire tout au long de la journée, aussi bien au travail que pendant les périodes de télétravail, puisque c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant. Ah oui, d'ailleurs, vous avez glissé pas mal de recettes, de petites recettes dans votre ouvrage. Alors aussi bien, là je vais l'avoir sous les yeux, mais les recettes de scones avec du Earl Grey, si je ne me trompe pas. Il y a plein de recettes, et notamment des recettes un peu à la mode. Alors j'étais assez surprise, parce que je connais votre regard très puriste sur la dégustation du thé. Alors pour quelles raisons avez-vous mis des recettes gourmandes que l'on retrouve un peu partout maintenant en Europe et même outre-Atlantique? Alors, l'idée surtout, c'était alors de pas répondre à la mode, puisque comme vous le disiez, c'est pas tellement mon ADN. L'important de ce livre, enfin le propos de ce livre pour moi était de montrer
Qu'est-ce qu'était le thé autrefois et qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Et c'est d'ailleurs pour ça que cette partie-là se trouve en fin d'ouvrage. C'est de montrer en fait, les nouvelles voies du thé, qu'est-ce que pourrait être demain le thé. Alors effectivement, je passe par des choses complètement horribles, aussi bien le tea tea que le bubble tea, qui sont deux choses que je teste personnellement. Mais je trouvais intéressant en fait un peu d'expliquer un petit contexte historiographique sur ces deux boissons qui sont de plus en plus au coin des rues. Pour ce qui est des pâtisseries et des autres recettes que j'ai pu proposer en fait dans ce livre, l'idée aussi était de montrer que même si on était puriste, on pouvait aussi se permettre un peu plus de fantaisie. Alors des fantaisies quand même relativement Oui. sages et gentilles, Oui, tout puisque à fait. c'est quand même quelque chose de très traditionnel. Était une manière de montrer qu'on pouvait s'approprier un peu différemment aussi aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je prends l'exemple, voilà, je l'ai retrouvé, scones aux pépites de chocolat. Donc effectivement, vous avez gardé toute la nature des ingrédients du scones, du bon scones qu'on goûte chez vous au salon de thé. Et là, vous ajoutez donc des feuilles de thé Earl Grey. Donc, le thé Earl Grey, c'est un thé noir, si je ne me trompe. Oui, traditionnellement, c'est un thé noir chinois en principe. Donc un thé Et qui est rouge. parfumé avec de la bergamote. Voilà, c'est cela. Concernant l'Angleterre, quel rôle, pardon, a pu avoir le commerce du thé au sein de l'Empire britannique? Parce que c'est vrai qu'on évidemment, culturellement, quand on pense au thé, on pense au tea time. Quand on pense au tea time, on pense à l'Angleterre. Mais quel a été donc, comment dire, quel rôle a pu avoir le thé dans cet empire britannique? Faut imaginer que ça a été un peu un rôle à la fois très politique, hein, comme je l'expliquais avec tous les amendements et toutes les propositions en fait de la reine Victoria pour améliorer la santé de son peuple. Souvent, on raconte que l'Angleterre n'aurait pas pu avoir de révolution industrielle s'il n'y avait pas eu le thé pour diminuer la consommation de bière. Et surtout, le rôle premier qui sera vu et perçu par la compagnie des Indes notamment, ça va être une aubaine financière. Vous imaginez que la compagnie des Indes orientales en fait anglaise souffre de conflits coûteux, de grosses pertes financières, notamment la guerre de 7 ans avec les Hollandais et les Français, et puis surtout les guerres dans les colonies qui commencent outre-Atlantique à se profiler, d'ailleurs, qui vont être déclenchés par les taxes. Et on va utiliser le thé pour renflouer les caisses en augmentant les taxes. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on grogne avec une TVA à 20%. Imaginez une TVA à 170% de valeur M, donc 170% ajouté à la valeur du produit. C'est pareil, c'est quand même quelque chose d'énorme et c'est pas pour rien que ça déclenchera d'un côté la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, puisque les colons britanniques, qui en plus n'étaient pas représentés au Parlement, vont en avoir assez d'être juste bons à payer les taxes. Et du coup, ensuite, on va imaginer, au contraire, plutôt des choses plus justes. Et donc, ça va passer par la réclamation de leur indépendance et la constitution des États-Unis, telle qu'on les connaît aujourd'hui en grande partie. Et puis, en plus, ce qui va être très drôle aussi, c'est que politiquement, comme on y voit cette dimension économique et pour renflouer les caisses, hein, qui était clairement le but principal, en fait, on va plus tard essayer de trouver d'autres endroits pour écouler la marchandise. Et puis, la compagnie va se dire, on a de possibilité de produire de l'opium en Inde. Donc, on va échanger l'Inde contre du thé en Chine, si ce n'est qu'en fait, ça va déclencher les deux guerres de l'opium. Donc, c'est ce qui va être toujours assez fou avec le thé et l'appropriation du thé chez les Britanniques. Alors, en Angleterre, on va pas tellement se poser la question, on va le consommer. Il va y avoir une contrebande, d'ailleurs, que je raconte dans le livre. Une contrebande super bien organisée, qui est digne d'un film hollywoodien, avec des vrais grands méchants bandits, et qui n'hésitent pas à tuer pour du thé. Et ils raconteront même que le thé est beaucoup plus rentable que la contrebande de gin et de rhum, puisqu'elle concerne beaucoup plus de monde. Et puis, on va ensuite rarement se poser de questions sur la façon dont est produit le thé, sur
Qu'est-ce que ça implique réellement? On va se dire, oh là là, mon Dieu, c'est très cher, tant pis, on l'achète en contrebande, mais on va continuer de le consommer. La seule question qu'on va se poser à un moment, c'est par rapport au sucre, vous évoquiez tout à l'heure. Le sucre, qui a une histoire aussi assez particulière, et qui, par rapport au thé, la dimension qui va être intéressante, c'est de se dire qu'en fait, bah, bêtement, le thé, le sucre que l'on va mettre dans le thé est politique. Et donc, si on consomme le sucre dans son thé, c'est qu'on est pour l'esclavagisme, puisque le thé, le sucre, pardon, est produit issu de l'esclavage et de la traite, notamment des peuples nègres de l'époque. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir avec le thé, c'est tout, en fait, les clins d'œil politiques, historiographiques et géopolitiques, puisqu'en fait, c'est vraiment l'histoire du monde qu'on peut percevoir au travers de ce produit. Oui, c'est intéressant de connaître le thé à travers ses enjeux géopolitiques, pardon, historiques, économiques et culturels. Alors, on va parler un peu plus de thé maintenant. Qu'est-ce que la cérémonie du thé pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme? Alors la cérémonie du thé est donc une cérémonie comme son nom l'indique qui est créée de toutes pièces par les Japonais à partir du moment où ils vont avoir une connexion probablement entre le 8e et le 13e siècle avec la Chine. Ils vont découvrir à ce moment-là une cérémonie, enfin une façon de préparer le thé qui est le thé battu. Alors aujourd'hui, ce qu'on connaît sous le nom de matcha, faut imaginer que si aujourd'hui matcha égale Japon, le matcha est une invention chinoise appropriée par les Japonais et sublimée par les Japonais. La Chine va ensuite continuer son évolution de la consommation du thé et va se refermer, enfin, plutôt le Japon va se refermer sur lui-même et développer tout un univers et un art de vivre autour de cette cérémonie très codifiée, à la façon dont on va plier sa serviette pour nettoyer et sécher le bol, à la façon dont on va accompagner le bol de gestes pour boire son bol à matcha. Et puis tout le et tout, j'ai envie de dire qu'en fait ça rythme presque la société japonaise qui est très codifiée. Il faut imaginer qu'une véritable cérémonie du thé ça dure à peu près 4 heures, 4 heures sur les genoux hein, puisque on n'est pas assis, et puis avec un jeu incessant, un ballet incessant de gestes lents, très précis, au millimètre près. Et qui vont permettre la dégustation du thé, qui vont aussi accompagner la méditation et le développement du bouddhisme et des arts martiaux au Japon. Bien. Et aujourd'hui, dans votre salon de thé, par exemple, quel thé, disons, comment pourriez-vous différencier vos différentes catégories de thé vendus à la boutique, en tout cas dégustés aussi au salon de thé? Alors, il faut imaginer que même si je suis puriste, j'essaie de montrer que le thé est accessible à tous. Voilà, oui. On va avoir trois types de typologies de produits dans nos thés. Des thés que moi j'appelle les thés du quotidien, qui sont des thés destinés à être accompagnés justement de notre petit déjeuner, nos goûters ou nos repas. Donc là, on est sur des grades, généralement des plantations qui produisent d'assez gros volumes. Du moins qui permettent en fait d'avoir des prix au poids qui sont un peu plus intéressants et abordables. Ensuite, on va avoir des thés de dégustation qui, eux, nécessitent déjà un petit peu plus d'attention sur leur préparation et leur façon d'être dégustés. Et puis, ensuite, on va avoir les thés, je dirais, de collection qui sont des thés pour la plupart millésimés, anciens, affinés, où là, on a un peu moins de variétés et des choses qui vont changer et tourner beaucoup plus régulièrement dans nos boîtes. Mais donc, c'est vraiment sous ces trois axes-là, en tout cas, que je sélectionne et catégorise les produits chez Territoire. Très bien. Vous parliez la fois dernière, alors vous m'excuserez, je n'arrive pas à prononcer le terme, mais cette façon de déguster le thé, vous savez, quand vous avez... Alors je vous laisse en parler. Le gong fu cha, qui Voilà. est en fait un art martial, qui est une façon d'être concentré. On peut imaginer que le gong fu, c'est une façon d'être concentré et d'appréhender en fait les gestes, son corps dans un environnement et les émotions aussi. Le gong fu cha, c'est la même chose, mais vous mettez du thé au milieu de tout ça. C'est une façon, une méthode chinoise et non une cérémonie qui va permettre d'infuser du thé, d'avoir tout le temps du thé chaud, de montrer en fait une attention particulière à chacun par un bol différent pour chaque convive. Et de partager vraiment le thé tout autour de la table. Là où nous, on a plutôt tendance à avoir une théière par personne pour le tea time, là, en fait, on va vraiment, sur la méthode chinoise, être plutôt sur un thé que la table partage sur
plus sur plusieurs en fait services différents. Très bien. Le principe, si on a un tout petit une toute petite théière, et puis on va avoir à ce moment-là des tout petits bols, et puis on va faire des passages successifs sur les mêmes. Et c'est cela, en fonction des passages successifs, on obtient un jus à chaque fois, si je peux me permettre le terme de jus, mais en tout cas avec des arômes et des saveurs naturelles qui se développent très différents. Oui, en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, la feuille de thé va s'ouvrir, et plus elle va s'ouvrir, et plus, en fait, on va être sur quelque chose qui va s'affiner, puis ensuite s'appauvrir aussi, puisqu'au bout d'un moment, la feuille aura tout donné. Mais c'est ce jeu, en fait, de variables qui est intéressant, et qui va permettre, aussi de mentaliser un peu la dégustation, essayer de comprendre un peu, le type de notes que l'on peut avoir, de texture que l'on peut avoir au travers des différents liqueurs, donc du thé infusé qu'on va pouvoir avoir dans nos tasses. La cueillette enfin, en tout cas, à quelle période on commence la cueillette des premiers thés? C'est en avril, n'est-ce pas? Alors, un peu plus tôt que ça va être dès le mois de février, puisqu'on va voir les récoltes fines de thé blanc qui vont commencer généralement entre la mi-février et début mars. Et après, tout dépend des régions où on va se trouver, puisqu'aujourd'hui, comme on a du thé sur tous les continents en dehors des deux pôles, faut imaginer qu'on a des récoltes quasiment tous les mois. Pour ce qui sont, ce qui est des récoltes fines chinoises, il faut vraiment se dire qu'en fait, elles ont lieu à partir de la mi-février et nous séchonner tout au long de l'année jusqu'au mois de début octobre. Quels sont les thés exceptionnels, rares, que vous avez pu déguster au cours de votre parcours de thé connaisseur? Alors en fait, ça va être essentiellement dans les thés millésimés que j'ai eu la chance de voir des choses et de déguster des choses assez intéressantes et anciennes. Je suis assez fan de thé ancien, donc de thé qu'on vieillit, affiné, un peu comme des fromages ou qu'on laisse lentement vieillir comme des bouteilles de vin dans une bonne cave. Et donc pour ces crus-là, j'ai eu la chance de boire des thés qui avaient une centaine d'années, grâce à un collectionneur qui nous avait fait partager ce genre de produits. Sur place ou en France, Alors j'imagine. là, pour le coup, le thé d'une centaine d'années, c'était en France. C'est dans le cadre d'une dégustation, on avait invité un collectionneur hongkongais à venir nous présenter son parcours et l'histoire de sa collection, parce que c'est un monsieur qui a créé un peu une bulle sur l'été ancien et qui en a une très belle collection. Et il avait eu la gentillesse de venir ce jour-là avec quelques thés de sa collection et qui étaient tous plus merveilleux les uns que les autres. Et après, beaucoup de choses sur place, j'ai aussi la chance d'avoir quelques collectionneurs qui… Quand ils viennent voir ce que j'ai dans mes jarres à thé, dans notre stockage en Bourgogne, ben, viennent aussi avec quelques petites feuilles à déguster aussi. Donc, j'ai la chance régulièrement de boire de très belles choses. Ah oui, c'est merveilleux. Comment conserve... Alors, j'ai lu plusieurs choses, mais j'imagine qu'il y a une méthode de conservation du thé. Comment on conserve, quand on est une ménagère, un très bon thé exceptionnel à la maison? Dans quel matériau? C'est très compliqué. Le plus simple, en fait, déjà, c'est de faire le deuil et de se dire que, ben, en fait, on ne pourra pas faire vieillir le thé dans un appartement parisien. Au mieux, vous allez le conserver, mais vous ne le ferez pas vieillir. Le mieux, véritablement, c'est d'avoir une boîte en fer. Moi, j'ai une grande sympathie pour les boîtes anciennes puisqu'elles sont en fer blanc et donc elles sont de très bonne qualité. L'aluminium a tendance à ne pas supporter l'humidité, donc et à la conserver, là où le fer blanc peut quand même réussir à l'assimiler un petit peu. Ensuite, si on veut faire du vieillissement de thé, il va falloir une cave ventilée, donc un endroit où il fera plus ou moins 11-12 degrés tout au long de l'année de façon régulière. Ventilé pourquoi? Pour éviter que le thé absorbe de mauvaises odeurs d'humidité et de renfermer. Et puis ensuite, il va falloir peut-être privilégier des jarres en grès ou en porcelaine en fonction du résultat escompté, puisque comme tout travail d'affinage, la façon que l'on va utiliser en fait pour le vieillissement, ben, en fait, va transformer le goût d'une manière ou d'une autre de notre thé. Comment organisez-vous vos sourcings? Alors, pardon pour cet anglicisme, mais comment procurez-vous comment arrivez-vous, pardon, à vous procurer du thé d'exception pour votre boutique? Vous avez des fournisseurs, j'imagine, des grands, des fournisseurs peut-être moins connus, plus de niches.
Comment organisez-vous cela pour vous, pour la boutique, peut-être pour l'abbaye aussi? Alors, en fait, on s'organise de façon assez simple. Je travaille avec essentiellement des producteurs pour ce qui est des thés hors thé millésimé. Les thés millésimés, je vais les acheter. Alors, c'est des échanges entre collectionneurs souvent. Et puis, il y a quelques personnes, notamment une personne en Corée qui m'a beaucoup formé dans cette niche-là et qui me permet d'obtenir des choses assez intéressantes. Sachant qu'aujourd'hui, ça représente pas plus de 10% de ce que je vends, les thés millésimés. Pourquoi? Puisque j'attends encore un peu que notre cave soit un peu plus établie, de façon à avoir un peu plus de choix et de choses un peu plus exceptionnelles. Mais après, c'est une affaire de rencontre, rencontrer des collectionneurs, des producteurs, participer à des foires. Il y a quelques grandes foires tout au long de l'année en Asie. Et puis ensuite, d'apprendre à travailler à distance. Et s'il y a une chose que le Covid a permis au moins, c'est d'apprendre à travailler à distance sur des choses qui étaient assez improbables et impossibles avant Covid dans le thé. Aujourd'hui, ça l'est devenu. Donc, ça permet aussi de faire un sourcing tout au long de l'année et d'être toujours alerte sur ce qui se passe dans le monde du thé. Ça, c'est très important. Et de ne pas céder aux modes. Moi, si j'ai un leitmotiv, c'est de ne jamais céder aux modes et de ne pas à tout prix choisir en fait un bourgeon qui aurait telle forme ou tel parfum parce que le marché le demande. Si je choisis un thé, c'est parce qu'il me parle, parce que historiquement il a quelque chose à raconter, parce que les gens qui le fabriquent ont une histoire à nous transmettre, un terroir à nous transmettre, et c'est ce qui moi me motive et dynamise en fait mon sourcing. Oui, alors d'ailleurs, s'il y a un terroir, s'il y a des thés millésimés et donc des thés d'exception, j'imagine qu'il y a des accords, enfin évidemment, mais en tout cas des choses très précises à mettre en application dans la dégustation de mets, donc des accords mets thé. Oui, alors c'est intéressant. Alors, je ne suis pas le premier à avoir évoqué ça. Il y a plein de personnes qui l'ont fait avant moi. Moi, j'ai simplement, à une époque en Angleterre, essayé d'avoir un discours qui paraissait logique. Alors, j'étais le français de la bande, donc forcément, j'aimais beaucoup le fromage. Et donc, j'ai commencé en fait mes accords avec le thé et le fromage et en proposant une alternative au vin. Et on a un meilleur, de mon point de vue, un meilleur accord. Puisque on a un jeu de température aussi qui va être intéressant et ça c'est quelque chose qui va aussi nous intéresser et aider la dégustation et l'accord mets et été. Cette façon d'utiliser la température aussi va être intéressant par exemple même s'il faut le consommer avec modération j'évoque l'Armagnac dans le livre c'est quelque chose qui est né un peu par hasard dans les Landes dans une propriété d'amis, le château de Comal. Et puis, on était au bord de la cheminée et moi, je buvais du thé et puis, bon, un peu de la blanche et de l'armagnac un peu toute la journée à Comal pour se réchauffer. Et puis, je trouve l'idée intéressante de réchauffer son palais en buvant du thé et puis en prenant une gorgée d'armagnac ensuite. Donc, plutôt que d'avoir chauffé son verre, qui pour certains est surfait, et ben en fait, on a chauffé son palais, donc on a quelque chose de plus agréable, ça atténue en plus la sensation d'alcool fort. Voilà, c'est un peu tout ça. Et ceci, une manière de montrer que le tea time, c'est pas simplement 17 heures, ça peut être aussi pour le dîner. Et on peut accompagner un merveilleux repas de fête, de Noël, avec du thé. Enfin, moi, pour ma part, par exemple, dimanche prochain, j'aurai, pour le 24 décembre, la chance d'accompagner mon repas avec du thé, ce qui me permettra de rester bien éveillé, d'être un peu moins en digestion pendant la messe de minuit. Ah oui, c'est cela. D'ailleurs, pour pouvoir assister à la messe de minuit, est-ce que vous prendrez un ah, je vais me lancer avec l'accent, un bon poire. Je pense pas que le pouvoir sera de la partie. Je pense plus sur des houblons anciens qui sont un peu mon dada, si je puis me permettre. Et que je m'autorise pas souvent à boire parce que j'ai pas beaucoup de stock, donc j'essaie de les chérir et de faire que les moments soient choisis et importants. Et je trouve que la veillée de Noël est un moment suffisamment important tout au long de mon année et dans ma vie pour le célébrer aussi de cette façon-là. Et puis ça me permet de réchauffer aussi tout mon organisme avant d'avoir un petit peu froid dans la basilique de Vézelay. Oui, c'est cela. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, je rappelle l'heure de vérité aux éditions de l'Épure.
Donc je montre rapidement à nos auditeurs. C'est un très bel ouvrage d'ailleurs. Je tiens à souligner cela puisque le travail des éditions. Alors c'est Sabine Buquet-Grenet, voilà, qui fait un travail vraiment merveilleux. Donc je vous félicite et ainsi que toute son équipe pour ce beau livre que je vous invite à vous procurer avant, après, pendant les fêtes, qu'importe, mais en tout cas pour vous cultiver sur la question du thé, son historicité, et bien sûr, évidemment, le fameux Mrs. Beaton que je rappelle que j'adore, et d'ailleurs qui parle de thé hein, à la page 782, vous avez, bon, pas que d'ailleurs, hein, mais il y a plusieurs moments où elle parle du thé, donc c'est très intéressant. Et pour ceux qui voudraient s'y mettre, vous avez également le manuel pour s'initier au thé naturel. Voilà, et ceux qui voudraient se procurer du thé naturel sont grandement invités à se rendre chez vous, Arnaud, au 5 rue de Condé, chez Territoire, pour déguster et s'offrir de très beaux thés. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous Merci souhaite pour un votre. très, très joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Très bon Noël. Merci, enfin. Au revoir, Arnaud.